question. En gros, du coup, la question, c'était du coup le test. On est obligé de demander à la personne d'aller le plus bas possible, enfin, d'aller jusqu'en bas. Ouais. Parce que si, sinon, on voit pas les adaptations, quoi. Ouais. Ouais, ouais, le test, c'est se mettre accroupi. Okay. Le test, c'est se mettre accroupi. Du coup, par exemple, quand on prend son exemple, c'est ton prénom, c'est Ben. Ben, par exemple, on l'a observé, il descend pas jusqu'en bas. Parce que du coup, au niveau des épaules, ça lui fait mal, ça le tire. Donc du coup, là, sur un test FMS comme ça, le score, il est de zéro. S'il ne remplit pas... Zéro, c'est la douleur. Voilà. Sur un test FMS comme ça, il aurait un. Mais en sachant que là, on le fait pas en version FMS. Ok. Là, on le fait en version... Nous, ce qui nous intéresse, c'est pas trop de le noter. Ce qui nous intéresse, c'est de savoir, d'enquêter. C'est dans ce sens-là qu'on prend le test. Et tous les tests qu'on va faire par la suite, qu'ils soient FMS ou non, d'ailleurs, vont avoir pour objet d'affiner notre enquête. Okay. Ouais. Il y avait une question par là-bas, non ? C'était la même ? Ok. Quelqu'un d'autre ? À passer de profil ? Ouais, tu vas ? Intéressant si c'est un problème scapulaire en plus. Voilà. Toi, c'est tennis ? Ouais. Donc là, on a une première compensation quand même au niveau des bras, c'est-à-dire que c'est pas tendu. Et alors, qu'est-ce qui te fait dire, qui c'est qui parlait de toi tout à l'heure ? C'est toi. Qu'est-ce qui te fait dire que ce soit l'épaule qui le bloque ? C'est lui qui nous l'a dit. C'est moi qui le disais. Est-ce que je devrais laisser mes bras, parce qu'en fait, j'essaye de les retenir, de ne pas les, ouais, trop les laisser aller vers l'avant. Donc toi, tu détectes toi-même une raideur ? Ouais. Oh ouais, là. Vraiment arrière. Ok. Arrière, ok. Donc là-dessus, on a des tests pour écrémer un petit peu tous ces éléments-là. Là, typiquement, on n'a pas un squat kata, on a un squat... Oui. Voilà, on se rend bien compte que la cheville, c'est un gros facteur limitant. Probablement que la chaîne postérieure est assez raide aussi. Il a sûrement un petit peu de mal à descendre à cause de ça. Là, comme ça, à l'œil nu, on ne se rend pas compte de l'épaule. Moi, je ne serais pas capable de dire que, effectivement, c'est son épaule qui pose problème. Après, son feedback est important. C'est lui qui nous a dit, voilà, moi, ça me tire, donc je ne peux pas descendre plus bas. Sinon, okay, on s'est fait la réflexion qu'on n'aurait pas pu détecter ça. Donc, est-ce que je devrais laisser mes bras partir? Non. Vers l'avant? Non, non. Tu te structures pour y arriver. Si tu y arrives en tirant, c'est que tu y arrives. Là, je tire vraiment au maximum. J'essaye de faire en sorte que mes bras ne tombent pas vers l'avant. Ouais. Mais c'est ça qui me limite, du coup, dans la descente. D'accord. Mais du coup, moi, j'ai une question. Est-ce alors, vas-y, tiens, fais-le dos en squat normal, en back squat. Les bras, tu mets ton bâton sur les épaules, tu descends, voilà. C'est pas ça qui te limite. C'est donc pas la scapula qui te limite. Enfin, attention, la scapula, c'est quelque chose de complexe. Hein. C'est-à-dire que, est-ce qu'on limite l'épaule, la partie la plus importante qui est sans doute l'omoplate, ou est-ce qu'on y inclut... toute la périphérie qui fait partie de l'épaule, le grand dorsal par exemple. À quel point ton grand dorsal par exemple n'est pas suffisamment raide dans cette position pour te gêner tout autant au-dessus qu'en dessous. Donc ça aussi on va le tester tout à l'heure. Là si tu laissais tes bras partir en avant, tu sentais que tu pouvais descendre plus bas ? Je pense, ouais. Vas-y, essaye. Je les garde là ou je les remets là-haut ? Mets là-haut et puis laisse-les partir devant. Donc au final, c'est plus ses bras qui compensent. Oui, il compense un peu les bras, il les laisse partir un peu. Mais on voit que ce qui le permet de descendre plus bas, c'est une adaptation au niveau du bassin, au niveau des lombaires. Parce que là, j'ai plus du tout le point que j'ai là quand... Donc notre grand dorsal est quand même probablement un problème. Et probablement un manque de force des érecteurs du rachis aussi, qui ont du mal à tenir cette position-là dans des angles particulièrement fermés. Okay, donc, vous voyez, on mène l'enquête comme ça, en fait. Hein.
C'est ni plus ni moins que de cette manière-là qu'on va savoir quoi renforcer. Et après, nous, on va gribouiller. Hein. C'est-à-dire qu'on va dire, bon, bah, je vais lui étirer la chaîne antérieure, je vais lui renforcer la chaîne postérieure haute, je vais lui étirer la chaîne postérieure basse, lui renforcer la chaîne antérieure basse. Ça ne lui fera pas de mal. Et puis, à la fin, on verra bien ce qui se passe. Si sur les quatre, j'ai eu bon une fois, déjà, je vais améliorer la situation. Sur les autres, ça ne changera rien puisqu'il n'y avait pas de problème. OK. Quelqu'un d'autre ? Donc là, par exemple, qu'est-ce qu'on observe ? Celui-là, on a déjà vu bien tout ce qu'il fallait. Micro ? Non, mais en fait, parce que je suis de dos. Ah, ok, ok. Ah, tu nous la refais, tu nous la refais de profil ? Déjà, elle est améliorée par rapport à celle d'avant. Micro. Le buste, en fait, il part en avant assez tôt dans son mouvement. Et généralement, je crois que c'est en fin, plus ou moins en fin de mouvement qu'elle arrive en bas. Il y a les bras, en fait, qui commencent à partir vers l'avant, plus à rétro. Alors moi, j'observe que le buste part pas tant que ça vers l'avant. Par contre, effectivement, ses bras lâchent très tôt, très vite. Donc, on a l'illusion un peu qui se penche vers l'avant, mais bon, faudrait qu'on filme et qu'on regarde un peu plus précisément. Mais pour moi, c'est vraiment les bras qui partent devant. Donc là, un problème probablement limité au niveau scapulaire. Et en fin de mouvement, rétroversion de bassin aussi. Il enroule le bas du dos. Quelqu'un d'autre veut passer ? Donc là, on a une première compensation sur les bras, avant même que ça commence, puisqu'il ne tend pas. Voilà. Bah, il ne descend pas assez, et puis avant la fin de la descente, il est déjà en rétroversion de bassin, on est d'accord là-dessus. OK, donc dès le départ, il a du mal à prendre la position overhead, hein. C'est-à-dire que ça n'a pas commencé qu'il est déjà bâton en avant de la tête. Donc forcément, il en manque ici. OK. Ouais. C'est marrant parce qu'on se posait la question là quand on était dans le groupe. On vient quand même tous les deux d'un sport où l'épaule est quand même hyper sollicitée. Ouais. Et on se disait qu'à l'inverse, on aurait pensé que justement, nous deux, on aurait pu tenir cette position d'épaule, donc à quoi c'est dû ? Est-ce que finalement le fait que dans notre sport on l'utilise beaucoup, est-ce que c'est ça qui nous limite ou pas ? Ouais, globalement on observe sur ces sports-là une sauf stratégie de préparation particulière, on observe chez les jeunes d'abord une prédisposition à la mobilité d'épaule, puis un entretien dans les premières années. Et à force de la surutilisation, s'il n'y a pas de stratégie compensatoire de traitement, une dégringolade. Donc je mettrais le tennis, tous les sports de raquettes évidemment, mais aussi le volleyball. On se rend compte effectivement que dans un premier temps, les gens sont particulièrement mobiles et que l'entraînement non compensé, non équilibré par travail complémentaire s'avère... Donc important d'accès à l'entraînement... Important d'accéder du coup l'entraînement assez tôt chez l'adolescent par exemple pour pas qu'il y ait cette chute et qu'on reste sur... Et entretenir cette mobilité par le renforcement musculaire, l'étirement et la reprogrammation motrice. On fait les deux épaules ?
Et on travaille toujours les deux épaules, absolument. Deux épaules. Ouais. Quelqu'un d'autre veut passer ? Une question ? Par rapport, au niveau de la cheville, en fait, je suis raide juste d'un côté de cheville. Pareil, je dois faire les deux chevilles ou je me concentre uniquement sur la cheville qui est raide ? Alors, ça, c'est une question un petit peu plus compliquée. Si on a une cheville qui est vraiment mobile et l'autre pas du tout, on se concentre sur la cheville qui est pas mobile. Et on ne perd pas de temps avec la cheville mobile. Éventuellement, on fait un petit passage d'entretien, de maintenance. Mais on aura suffisamment d'autres choses à travailler ailleurs pour se concentrer dessus. Ça, on ira un peu plus loin quand on fera la partie vraiment traitement sur une prochaine séquence. Le travail par automassage, renforcement, étirement, etc. Si en revanche, c'est même déséquilibré, tu as une cheville qui est très raide, très déstructurée, et l'autre un peu, il faut travailler les deux. Quelqu'un d'autre veut passer ? Dans un grincement sinistre. Alors, qu'est-ce qu'on a vu ? Oh, on lui en demande un deuxième quand même. Fais-nous un deuxième. Je croyais qu'il allait tomber sur le papier. Ça, c'est un cas un peu compliqué. À lire, à interpréter. Je me prononce pas plus que ça sur ton cas personnel. Qui part vers l'avant et un arrondissement du dos. Donc là, on a très très clairement ces deux compensations-là. On a très très clairement le buste qui part vers l'avant et la compensation, l'enroulement du dos. Ce qu'on ne sait pas, ce qui m'interpelle, c'est qu'il plonge dedans. C'est que c'est lui qui... Il ne subit pas du tout. Il crée ça. Donc c'est plus qu'une compensation, c'est une stratégie, là. Stratégie motrice. Et du coup... J'aurais tendance à me dire que il est possible qu'il soit en train d'éviter d'exposer son épaule, sa limitation d'épaule. C'est possible. Je ne présume pas du tout de ça. Je me demande pourquoi tu provoques aussi fortement cet arrondissement du dos, aussi précocement. Et je me dis... Donc typiquement, on pourrait le tester pour voir ce que ça donne si il a le bâton sur les épaules, par exemple. Tu nous montres ? En fait, on fait notre jeu de piste comme ça. On regarde, on a un doute. Ça va mieux, mais c'est pas top. Ça va mieux, mais c'est pas top. Donc là, par contre, on isole de plus en plus au niveau des ischios jambiers. Alors, on voit que ça bouge pas des masses en arrière-cuisse. On a aussi un doute sur les fléchisseurs de hanche. Donc on va creuser tout ça. En tout cas, ce qui est certain, c'est que là, tout le listing qu'on a sur les muscles raides et ou faibles sur compensation où le dos se penche vers l'avant et compensation où le bassin bascule en rétroversion, là, on a tout. Est-ce qu'on a une compensation de quelqu'un qui sur-étend les lombaires ? Prends ton micro. Sur son premier mouvement, j'ai remarqué que quand il a tendu les bras, ses bras ils étaient devant. Il a voulu les placer au-dessus de sa tête et j'ai observé une légère interversion du bassin. Du coup, est-ce que ça fait partie de l'analyse ou c'est sa stratégie à lui Ça rejoint un petit peu mon intuition sur sa limitation d'épaule. Je me dis que si effectivement on a des signes avant-coureurs comme ça d'une adaptation à court terme, stratégique, et non pas subie, encore une fois, c'est qu'il y a quelque chose à creuser. Ouais. Personne n'a
la bascule inverse du bassin. On l'a pas. Je vous la fais. Ok. Ça, c'est aussi une autre compensation qu'on peut avoir massivement dans un groupe, mais pas dans celui-là. Je vous propose de faire le dernier axe et d'observer maintenant ce qui se passe de dos. On change encore de partenaire. Rappelle-moi ton prénom. Antoine, tu veux bien passer ? Antoine, il est dur à lire là sur celui-là. C'est assez intéressant. Donc mets-toi bien dos à la caméra. Les autres, n'hésitez pas, ceux qui ne l'ont pas évalué, à vous mettre derrière lui. On peut voir, d'ailleurs, non, on peut voir aussi de devant. On peut, c'est tellement fin qu'on le, on peut l'apercevoir aussi devant. Donc attention, il a modifié sa position de départ. Là, il nous confirme que c'est pas le problème du tapis qui glisse. C'est marrant, t'as shifté sur l'autre côté. Vas-y, encore. Ah, là, ok. Non, c'est bien. Merci. Alors, n'oubliez pas le micro. À part ceux qui étaient avec moi autour de lui tout à l'heure, qui a vu quelque chose ? Ben, je ne suis pas sûr, mais j'ai l'impression que son bassin il bascule un peu vers la droite quand il descend. Très, très légèrement. Donc, du coup, alors, sur la toute première rep, c'est marrant, tu as shifté sur le côté gauche, peut-être inconsciemment, du coup, comme tout le monde regarde, tu as compensé. N'empêche que quand on a une inconstance dans le transfert de poids, on peut aussi s'interroger légitimement sur simplement un manque de pratique technique de ce type de mouvement-là. Et s'il faut, c'est un peu là la limite pour moi du no-coaching, c'est que sur un candidat comme ça, je suis un peu sceptique sur les raisons réelles qui le poussent à shifter d'un côté ou de l'autre. Si systématiquement on a ce déplacement du poids sur un côté, ok, là on peut réfléchir aux bancs latéraux, jambes plus fortes que l'autre, etc. Ok. Là, je ne suis pas totalement convaincu. Mais c'est intéressant parce que c'est très fin, c'est léger. C'est-à-dire que là, si on le fait vite fait comme ça, à l'œil nu, il est probable qu'on ne le relève pas. C'est typiquement le genre de truc qu'on va revoir à la vidéo, au ralenti, en se disant, tiens, on a quand même une petite piste là. Dac. Quelqu'un d'autre ? Alors ? Moi, j'ai eu la sensation que ça partait un petit peu sur l'extérieur des pieds. Donc, au fur et à mesure, plus il descend, plus ça commence à... Alors, celle-là, il l'a. Par contre, ça, c'est quelque chose qu'on observe de face. D'accord. Okay. Dans cet angle-là, bon, on peut le voir là, hein, bien sûr. Mais c'est un peu hors sujet par rapport à notre exercice actuel, du coup. Là, on va plutôt se concentrer sur les transferts de poids. Ouais. Bon, j'étais avec lui tout à l'heure, donc j'ai un analyse en plus. Mais là, j'ai plus repéré par rapport à tout à l'heure qu'il a tendance à pencher sur la gauche et à compenser sur la gauche. Ouais. T'es d'accord avec ça ? Tu le sens, ça, ou pas ? Ah oui, bah, on en discutait juste avant. C'est criant parce que j'ai un ischio gauche qui est beaucoup plus faible que le droit, et du coup, bah, je compense beaucoup plus sur celui-là que... On en discutait juste avant et j'ai un ischio gauche qui est beaucoup plus faible que le droit et du coup, ça se voit que je compense à gauche et même moi, ça, je le ressens bon. Quand je descends. Sur des sportifs un peu aguerris, des vrais pratiquants, c'est pas du tout le cas chez des sédentaires, mais chez des vrais pratiquants, on a une prise de conscience qui s'opère pendant les tests. Juste dans l'échange et dans
dans la discussion, on se retrouve à avoir des gens qui déjà progressent. C'est le plus criant, c'est sur le travail de la posture. C'est-à-dire que d'un seul coup, en mettant des traits sur... Le mieux, c'est de prendre en photo et de mettre le trait, de dessiner le trait sur l'iPhone. Et là, la personne, d'un seul coup, elle prend conscience et un peu toute la journée, elle va se retrouver à corriger elle-même sa posture. Tu y vas ? Alors, ouais, j'ai remarqué qu'en fin de squat, il y a les bras qui partent légèrement à gauche aussi, mais c'est pas aussi flagrant au niveau du bassin. Je le vois plus au niveau des bras qu'au niveau du bassin. Donc ouais, on a un petit transfert de poids, ça c'est une certitude. Je sais pas d'où il vient. Est-ce qu'il vient de... Parce qu'il y a quand même une vraie problématique d'appui chez toi. Une vraie problématique de contrôle de cheville, qu'on va explorer un petit peu plus avant tout à l'heure. Mais c'est dur à dire si la compensation, elle est liée à ça ou pas, quoi. Donc là, typiquement, après quelques séances de travail en équilibre précaire, avec ou sans contrôle visuel, si ça ne disparaît pas, c'est que c'est autre chose. Donc toujours pareil, sa pronation de cheville, qui est marquée, hein, qui est assez forte. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a une compensation qui revient, mais qu'on voit surtout de face, hein, donc qui est un peu hors sujet par rapport à cet exercice, comme tout à l'heure ce que tu suggérais. Les pieds qui s'ouvrent aussi sur l'extérieur. Donc ça, c'est dans un autre plan qu'il faut le considérer. Quoi plus ? Pas si mal déjà ? Pas si mal. Ok, alors, on va faire un autre test avant la pause déjeuner. Avant, je voudrais finir sur les squats, j'ai encore un truc à vous dire. Ce qu'on cherche de profil à vraiment... tiens, je vais prendre un partenaire. Tu vas passer au milieu. Ce qui nous intéresse de profil, tu vas te mettre de profil ici, crac, sans bâton, pour que vous ayez des repères, parce que là, on a beaucoup pris le problème par les erreurs et les compensations. Non, on va essayer de regarder ce qu'on cherche à voir de bien. Donc vas-y, mets-toi talon sur le bâton. Je mets dans de bonnes conditions de réussite. Tu mets tes mains en V, bras bien tendus, paume de main face à face, ici. Et tu descends en squat. Voilà. Ok, stop. Voilà. Ce qu'on cherche ici, c'est avoir une parallèle parfaite entre l'axe formé par le buste et les bras, et l'axe formé par les tibias. Okay ? On cherche vraiment à avoir les deux parallèles. Et il continue de bouger. S'il continue de bouger, voilà. Il faut garder ça. Okay ? Buste et tibia parallèle. Buste, bras. Buste plus bras et tibia parallèle. Okay ? Ça, c'est un vrai indicateur pour vous, pour savoir ce qui est un squat réussi, tout simplement.